l'entre-deux entre Kevin Kokila et Leon Kratzer. Paris à 40 minutes du titre de l'Eurocup, à 40 minutes d'un ticket pour l'Euroleague. Bourg-en-Bresse compte bien fausser les plans parisiens et retourner à l'Adidas Arena. Les clés du match sont simples, la bataille s'annonce rude. L'avantage de taille face à TJ Short, il va chasser Jérémy Morgan pour le jouer. Bien sûr, il va l'amener au poste bas, attention à l'aide de Kratzer. C'est ouvert le chemin du cercle et les deux premiers points sont pour Isaiah Mike qui a traversé la planète pour venir voir ce match 2, comme le relatait Guy Basket dans un article très intéressant. Le tir à 3 points de Mikael Jantunen. Le joueur, donc la lecture est pas simple. Et le tir, Jaquan Lewis à 3 points. Regardez, ça sort, Sébastien Herrera qui était en soutien et il s'est rien passé. Isaiah Mike et le ballon talent tombe dans le cercle par Tyson Ward. Oula, elle est ambitieuse cette passe, elle arrive sur Jérémy Morgan. La réussite encore. Ils sont là sur leur shoot, les Bressans. Qui est un des joueurs qui n'a pas marqué, Tyson Ward, sur le match 1. Surprenant, lui qui est le quatrième meilleur marqueur de cette équipe. Oh, Isaiah Mike, ils sont en feu, la JL. Ils marquent tout à 3 points. C'est indécent presque. Jaquan Lewis. Oh là là, j'ai cru qu'il allait le prendre. C'est Jeremy Morgan finalement. Yeah, c'est la folie. Mais c'est folie. Il shoot dans une bassine, les Bressans. Rebond offensif sur lancé franc. Il a pris son propre rebond, Justin Simon. Ouais, après avoir un échec 0 sur 2. Et il va aller amener Axel Julien au post-up. Bien, bien joué de Simon. Sorti fort, Mikael Kessens, Bodiormassa a trouvé. Qui marque à 2 points. Jay Shorts ressort sur Colin Malcolm. Toujours pas de réussite pour les Parisiens derrière l'arc. 1 sur 4. Oh, TJ Shorts qui a fait sauter. Incroyable ce move de TJ Shorts. Magnifique ce que vient de faire TJ Shorts. Benitez, ah, il est passé. Oh, ça s'était ouvert. Il a préféré sortir Axel Julien. Ah, lui aussi, il s'y met à 3 points, Axel Julien. Ouais, je pense qu'il veut le protéger sur la dernière défense. Benitez, le step back, le tir, mais distance. Et les 2 points au buzzer pour le meneur. Le produit de l'école des meneurs de la JL pour donner 4 points d'avance à Bourg-en-Bresse. Axel Julien. Allez, Bodiormassa bien trouvé dans la peinture, le hook shot et les 2 points pour l'intérieur de la JL. Elle est magnifique cette connexion, Axel Julien, Bodiormassa. Herrera, attention à la sortie. Sébastien lui, Herrera qui se sert de l'écran de Leon Kratzer pour marquer. Jérémy Morgan qui est à 2 sur 2 à 3 points. Ouh, il est passé, et il arrache tout, Jérémy Morgan. Énorme dunk. Oui, mais j'ai la sensation, c'est bon que c'est des deux côtés pour l'instant au niveau comment dire, cohérence, ça me paraît assez juste. Oui, oui, mais il laisse, dans l'ensemble, il laisse plutôt jouer. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, c'est que des deux côtés, ça laisse jouer. Ouais, oula, la contre-attaque. Il y a une pour Jantunen qui fait sauter Kevin Kokila et qui marque. Paris est revenu dans le match. Isaiah Mike, oh, il en avait 4 sur le dos, Isaiah Mike, et il marque quand même. Ça, c'est en train de monter gentiment en intensité. Justin Simon attaque Zachary Rizaché, non, et le rebond. Oui. C'est Malcolm, hein. Je crois, oui. Et comme Kessens ne sort pas trop sur lui. Nadir Ifis, bon, la passe pour Justin Simon, et la finition en passant sous le cercle, superbe. La jeunesse associée à Zachary Rizaché. Lewis, il est passé. Ne marque pas Kokila. Et le rebond, non, sera pour Colin Malcolm. Et tout de suite, regardez comme ça se projette. Oh, la passe délicieuse, Justin Simon. Et les 2 points pour Mikael Kessens. Oui, là où certaines. Oh, et le ballon volé. Justin Simon, attention. Là, il va l'attraper. Attention, l'énorme poster de Justin Simon. Et pourtant, Kokila, il y a été. Hein.
Oh, c'est gourmand. Oh, le tir d'Isaiah Mike après 5 secondes de possession. Qui a chambré le banc parisien, Isaiah Mike. Et on le sait, c'est cette philosophie de jeu si particulière de coach Tuomas Sisalo. Pas mal la passe d'Axel Julien. Vers Bodian Bastard, il est retrouvé. Tête de raquette, il met dedans Axel Julien. On l'a dit, il retrouve des jambes, il retrouve de la confiance. On retrouve Axel Julien tout simplement. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Plus 4 pour la JL. La bonne passe d'Axel Julien. Ça fait deux fois Maudian Massa qu'il manque sa passe pour ressortir. Ah, c'est petit. Massa contré par Kratzer. Ah, il a l'avantage sur Lewis. Yann Tounen ressort sur Tyson Ward, pose un dribble. Et elle en revient à l'adresse à 3 points pour le Paris Basketball. Quel shoot! Il ne semble pas qu'ils aient mené depuis le premier carton, hein, le tout début des Parisiens. Benitez sur la ligne de lancer franc, les deux points pour Hugo Benitez, ça c'est son shoot. Hein. Ouais, il fait le tour du pick and roll. La remise en jeu dans les mains de Nadir Ifi. TJ Shorts, grand ouvert à 3 points, il est capable TJ Shorts, on l'a dit, c'est pas sa grande force, mais il a quand même un tir le garçon. Quand même. À 9, à tout seul dans l'axe, il a pris son temps, TJ Shorts. Lewis avec Bodian Massa, le tir crochet inscrit par Bodian Massa. Le voilà le short lock dont vous parliez, Nils. Beaucoup plus agressif, Bodian Massa. Ah oui. Et là il est bien sorti. Il a volé le ballon. Et il vole le ballon, Bodian Massa pose un dribble et dunk. Et Bourg-en-Bresse reprend les devants, 52-51. Tyson Ward, ouais, plus physique que Jaquan Lewis, Tyson Ward. Brown qui essaye de couper Nadir Ifi, mais ouh, la bonne sortie. Oh, de le tir de Nadir Ifi par-dessus Bodian Massa. Oh, voilà, Nadir Ifi. Le 3 points ! Exceptionnel tir de Nadir Ifi ! Il est parti sur un coup de chaud. La vitesse et la technique. Et la technique, elle est pour qui? Elle est pour Bryce Brown. Contournage d'écran sur la déviation. Ah, voilà, Bodian Massa ressort sur Jeremy Morgan. Axel Julien, ça circule. Isaiah Mike qui attaque. Oh là 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 là. Énorme dunk. Cette envolée de Bodian Massa. Et Paris, c'est Paris tellement vite. Et la relance pour la JL avec un petit peu de rythme. Mais le repli. Et le bon repli, voilà. Ils vont aussi vite en attaque qu'ils vont en défense, les Parisiens. Axel Julien fait sauter. TJ Shorts décale Jeremy Morgan. Extra passe magnifique. Il le met, Jeremy Morgan. Il fait du bien, celui-là, à Bourg-en-Bresse. Le revoilà, balle en main. Avec Jaquan Lewis. S'arrête mi-distance et marque Jaquan Lewis. Bourg-en-Bresse revient à égalité, 63 partout. Et on se souvient forcément avec un match aussi serré du dénouement du match de Betclic Elite. Maxime Salash marque le dénouement du match de Betclic Elite avec le tir à 3 points d'Isaiah Mike pour l'emporter. Oh, le alley-oop. Oh, Léon Tazer ! Il a été manger la soupe sur la tête de Maxime Salash. Alors on l'a vu partir le alley-oop, mais on est... Poste haut. Et toujours cette défense de zone, il passe par le poste haut, magnifique cette action. TJ Shorts. Oh là 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 là. Il a mis le mode turbo. Ballon dévié qui revient dans les mains d'Yann Tounen. Oh, qu'est-ce que ça fait mal! Le Finlandais qui est en train de planter 3 points sur 3 points. Plus 8 pour les Parisiens. Allez, il va falloir mettre du rythme pour la JL. Pas facile face à la défense parisienne. Ouais, et qui replie extrêmement bien. Axel Julien fait sauter, ressort sur Brown. Ils sont partout, on dirait ils sont 6 les Parisiens. Allez, le alley-oop, il a bien lu Bryce Brown. Avec le tir à 3 points de Nadir Ifi. Axel Julien. Il est passé. Il va au bout, il aura été irréprochable sur cette série, sur ses playoffs. Axel Julien, ce soir encore, il signe un gros match. Salash avec Lewis.
Ah, ils n'ont pas su profiter du décalage. Chi avec Morgan. Qui marque à 3 points peut-être. Alors peut-être que Bourg-en-Bresse peut se relancer. Revenu à 4 points de possession entre les deux équipes. Justin Simon, il est important ce ballon dans les mains des Parisiens. Ah, ils vont couper TJ Short. Non, trop tard, il est passé. TJ Short, c'est pour lui. Un cadeau. Petit pas de côté, le patron est là, TJ Short, c'est lui, le MVP de l'Eurocup, Lewis. Ils sont en train de perdre leur jeu collectif un petit peu, les Bressans. C'est trouver l'exploit individuel. Bryce Brown, on a deux points. Voilà, quel shoot. Il va jouer le pick and roll dans l'axe, TJ Short. Colin Malcolm ressort sur Nadir Ifis. Ça peut être le tir assassin, il le met. Quel shoot. Nadir Ifis, superstar. Zaya Mike, un 3 points dans le corner. Et il le met. Pour limiter un petit peu l'écart, mais ça sera certainement trop tard. Retour sur TJ Short, Simon avec Jan Tounen, au dunk. Les Parisiens même vont ça, tout droit au titre. Ils peuvent emmener la possession jusqu'au bout, les Parisiens. Ça va être le cas. Paris s'impose dans cette finale en deux manches. Paris sur le toit de l'Eurocup, une petite défaite, une saison historique et un ticket pour l'Euroleague. Paris est champion de l'Eurocup, Simon. C'est magnifique ce qu'a fait Paris cette saison et largement mérité, une seule petite défaite en Eurocup. Incroyable. Et ce soir encore, la prestation est majuscule dans un Equinox bouillant qui a tout fait pour les déstabiliser. Ils ont été solides, les hommes de Thomas Sissalo. Ils ont toujours trouvé les solutions. Le titre est pour eux le deuxième de leur histoire. Ils deviennent la sixième équipe française vainqueur d'une Coupe d'Europe. Et Nadir Ifis et TJ Short en pleurs. Nadir Ifis, le duo fou du Paris Basketball. TJ Short aussi a les larmes. Lui qui a dû se battre, qui porte ce numéro 0 parce qu'il avait zéro offre pour rentrer à l'université, zéro offre professionnelle en sortie de fac. Il a dû se battre et aujourd'hui il est sur le toit de l'Eurocup.